cette suite du Let's Play de Tales of Symphonia. On se retrouve après des vacances bien méritées pour ma part. Et on va donc reprendre là où on s'était arrêté. Il me semble que du coup j'avais fait les temples de Sylvaron, il me restait donc le pacte à faire avec Luna et Aska. Et le temple de l'obscurité où il y a Shadow du côté de Tessealla. Du coup on va se mettre en route vers le temple, je vous transfère la scène. Et on va à notre plat, voilà. Donc de mémoire, voilà. Je vais explorer. Je vais juste vérifier que j'ai la bougie. Et... Non, c'est ça. Donc il fallait que j'aille à Meltokyo chercher de quoi faire et après que je revienne. Je suis toujours surpris par le son du jeu que je ne peux plus baisser. Donc on est quand même bien avancé au niveau de l'histoire principale. Allons au laboratoire de recherche élémentale. Là, tu ne dois pas oublier que nous sommes recherchés. T'approches pas des zones sous surveillance, tu as bien compris. Ça ne change pas. Je voulais voir est-ce que j'ai besoin. Non, j'ai pas besoin de claquer un repos maintenant. Oui, j'avais mes personnages qui avaient encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup à apprendre. Juste hop là. Le magasin d'objets de Beltéon. Commencer à avoir un petit peu plus d'objets quand même. Bien en termes d'objets de soins, de gelée, de viol, on a de fiole plutôt. De fiole et de loupe magique. Je vais aller un petit peu trop vite. Ah. Kratos. J'entends dire que le bois sacré ne pousse que près d'Ozeth, est-ce vrai? Oui. Alors est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de bois sacré? Le bois que je coupe est stocké dans l'église. C'est bien tout ce qu'il reste alors. On dirait que je n'ai pas le choix. Attends, pourquoi le crucifix s'intéresse au bois sacré? Parce que c'est nécessaire. Quelle autre raison pourrait-il y avoir? Nécessaire pourquoi? Je n'ai pas besoin de te le dire. Au fait, Lloyd, les pactes que tu conclus avec les esprits originels, tu dois arrêter. Tu crois qu'on va arrêter parce que tu nous le demandes? C'est dangereux de se dédier à des activités dont on ne sait pas comment elles vont se finir. Peut-être que le résultat sera quelque chose d'irrémédiable. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de sauver les deux mondes, alors il faut le faire. Sois patient, Lloyd. Qu'est-ce que ça veut dire? Kratos toujours aussi mystérieux dans ses interventions. China, tout le monde. Nous avons une faveur à vous demander. Si vous êtes d'accord, vous voyez le donjon de Shadow? Ah, je vois, la bougie bleue pourrait vous être utile dans ce cas. La bougie bleue? C'est une bougie sacrée qui annule les pouvoirs des ténèbres. Vous en avez une? Oui, grâce à des documents anciens, nous avons pu en créer une dans notre laboratoire. Est-ce qu'on peut vous l'emprunter alors? Bien sûr, avec plus. Hey, c'est de leur faute si Kate a été arrêtée. On ne doit pas les aider. Mais ce sont les amis de China. Kate? Qu'est-ce qu'elle a, Kate? Kate va être exécutée parce qu'elle a aidé des criminels à prendre la fuite. C'est à cause de nous? La vache! Lloyd, il faut sauver Kate. Lloyd, je veux la sauver aussi. Oui, mais comment? Pourquoi ne pas participer aux combats qui ont lieu au Colisée? Au Colisée, pourquoi faire? À l'origine, il a été construit pour des combats entre des prisonniers et des bêtes sauvages. Il y a un passage dans la prison qui permet aux prisonniers d'être emmenés au Colisée. Oh, c'est vrai, tu y as séjourné. Bon alors, dépêchons-nous de la sauver. D'accord, tout le monde, on va à l'arène. Ah, direction le Colisée. Un Colisée qui jusque-là est fermé, hein, qu'on ne pouvait pas employer avant.
Hop là. Qui va participer? Alors c'est l'œil 2 qu'on va prendre. J'y vais. Oh, mais vous êtes le criminel. Bah, c'est qu'un tout petit détail, ça. C'est 5000 flous pour s'inscrire, n'est-ce pas? Oui, en effet, mais vous êtes recherché. Et voici un petit geste pour vous prouver notre gratitude. 10 000 flous, prenez-les. Ah! Gardez la monnaie. Bon, nous pouvons y aller? C'est comme ça qu'on utilise l'argent, alors. Non, non, pas vraiment. Les rois de la corruption. Parlez aux gardes quand vous aurez décidé de commencer. Ouais, il me semble qu'il faut aller directement là. Vous voulez y aller? Oui. Aux objets en plus, non, j'ai pas accès aux objets. Régène quand j'élimine des ennemis qui sont pas non plus ouf. Voilà. T'es un peu chaud quand même. On dirait qu'aucun prisonnier ne participe cette fois. Juste faire. Voilà. Pourquoi êtes-vous ici? C'est de notre faute si vous avez été arrêté. Donc on est venu vous sauver. Merci, mais ça va. Non, ça ne va pas. S'il y a un problème, on en parlera une fois sorti d'ici. Dépêchons-nous. D'accord. Merci. Maintenant que nous l'avons sauvé, que va-t-elle faire? Tu as de la famille? Ma mère est décédée, mon père est... Non. Non, comment ça non? J'ai un service à vous demander. Emmenez-moi à Osette. Osette? Ce sont des ruines maintenant. Tu es sûr? Oui, s'il vous plaît, c'est là que je suis né. D'accord. Merci de m'avoir sauvé, même si c'est moi qui vous ai mené des expériences sur Présea. On est ici parce que vous nous avez aidés à nous échapper... Et que vous alliez être exécuté à cause de ça. Il fallait qu'on vous sauve. Même si vous savez qui je suis réellement? Qui êtes-vous réellement? Ma mère était une elfe. Mon père est un humain et c'est le pontife de l'église de Martel. Ton père? Le pontife? Heureusement que vous tenez de votre mère alors. T'as rien de mieux à dire? Il a voulu faire exécuter sa propre fille. Scandaleux! Mais c'est le pontife qui a décidé que tous les demi-elfes coupables de crimes seraient exécutés. Quoi? Pourquoi faire une chose pareille alors que sa fille est une demi-elfe? C'est pas à moi qu'il faut demander. Il va le payer, je le jure. Attendez, ne faites pas de mal à mon père. Quoi? Il vous a fait du mal, lui, pourtant. Mais ça reste mon père. Lorsque mon père m'a ordonné de mener des expériences pour changer les exfères en cristaux de crucifix, j'étais heureuse. Mon père avait enfin besoin de moi. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à comprendre. Ginus, calme-toi. Mais... Je crois que je comprends un peu. Colette. Quand je pensais que Rémiel pouvait être mon père, j'étais contente qu'il soit enfin venu me voir. Même si je savais que ce périple signifiait que j'allais mourir. Je vais prendre le temps de réfléchir sur mon père et les demi-elfes.
Merci de m'avoir sauvé et Présea. Oui, je suis désolé. C'est triste. Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? Deux forces s'opposent toujours. Sylvaran et Tessella, les elfes et les humains, le ciel et la terre. Ceux qui sont au milieu sont sacrifiés. Les demi-elfes, la graine suprême et l'élu aussi. On n'a pas le droit de dire que quelqu'un peut être sacrifié. Et chaque fois qu'il y a deux peuples, l'un d'eux est sacrifié afin d'établir la supériorité de l'autre. C'est pareil pour le pays et les mondes. L'égalité n'est qu'illusion. La naissance, le statut, l'apparence, la race, tu es englouti par ces choses. Mais tout le monde a le même cœur. N'importe qui souffre quand on le rejette. C'est ça que les gens oublient. Le même cœur. Oui, si tout le monde pouvait regarder les autres de cette façon, les gens peuvent changer petit à petit. La seule chose à faire, c'est croire en cela et faire ce qu'on peut. Oui, et ce qu'on peut faire maintenant, briser les liens de mana entre les esprits originels. Oui, allons chercher la bougie bleue au laboratoire de recherche élémentale pour pouvoir conclure le pacte avec Shadow. Bienvenue tout le monde. Nous avons escorté Kate à Ozette à sa demande. Je vois, il y a eu beaucoup de grabuges ici aussi. Comme Kate s'est échappé, le pontife a grandement perdu la face. Et nous avons eu tous peur d'être arrêtés. Je vois, nous étions déjà partis quand ça s'est passé. Voici la bougie bleue. Merci. Non, merci à vous. On peut aller voir Shadow maintenant? Oui. Merci, on va en faire bon usage. Bonne chance, China. Donc la fille du pontife, Kate, était une demi-elfe. Alors je crois que pour l'instant, j'ai pas réaccès au Colisée tout de suite. Je vais pas vérifier, on va aller faire le temple de Shadow avant. Tac. Mais ce combat, c'est pas des ennemis difficiles et pourtant avec le nombre, je me suis un peu fait peur en pensant que je réglerais rapidement les duellistes. Alors, on va laisser la petite scénette se faire. Et oui, Kate qui a choisi de s'isoler. Je ne suis pas certain qu'on la revoie d'ailleurs. Mais je suis pas sûr qu'on revoie Kate, qui est un personnage, on va dire, bien que secondaire, qui reste quand même important dans le background et pour en apprendre plus sur l'histoire des personnages. Ça reste un personnage quand même intéressant, avec tout ce petit débat philosophique autour de. D'avoir toujours un peuple qui veut imposer sa supériorité. Dans le, de toute façon, dans le, on va dire, dans les messages véhiculés, Tales of Symphonia reste riche tout au long de son scénario là-dessus. Pour utiliser la bougie bleue. Très bien, utilisons la bougie bleue. Ça devrait marcher. Maintenant, explorer cet endroit. Et c'est un peu. Oui, la sensation de mana ici, la puissance semble moindre par rapport au saut précédent. Nous en serons plus une fois dedans. La Gemex niveau 2. C'est vrai qu'il va falloir quand même que je commence à bosser sur les Gemex aussi. Alors. Qu'est-ce que. C'est un monstre? Non, c'est un esprit originel. C'est l'esprit originel des ténèbres Shadow. Il est moins fort que les esprits originels précédents, environ 5 fois moins puissant. Le mana paraît encore plus instable que ce qu'on pensait dehors. La main le traverse sans effort.
Est-ce qu'il est possible que la puissance de l'esprit originel soit sortie du sceau pour adopter cet aspect physique? Ça veut dire que si nous n'emmenons pas ce fragment de Shadow jusqu'au sceau, nous ne pourrons pas conclure de pacte avec Shadow. Regardez ce cristal magnifique. Comment fonctionne-t-il? Est-ce que la magie technologie... Est-ce de la magie technologie? Est-ce la puissance de l'esprit originel? Sœur? Lloyd regarde, on dirait que le petit ne peut pas se tenir dans la lumière. Ah, l'esprit originel des ténèbres alors. Il n'aime pas la lumière. Alors nous devons chercher un moyen d'éteindre la lumière, afin de conduire l'esprit originel au cœur du temple. Peut-être qu'en les réunissant tous les cinq dans cet espace à l'étage d'en dessous, nous pourrions tous ensemble les conduire jusqu'au sceau sans les séparer. D'accord, alors c'est parti, voyons ce qu'on peut faire. Professeur, on y va maintenant. Je n'ai pas fini de l'examiner. Donc on sait que... on va devoir rassembler les particules en bas, mais qu'ils n'aiment pas la lumière. Donc on va avoir pas mal de temps à passer. On dirait que je peux passer par là, je vais aller voir. Tu vas tout seul, ça va aller? T'en fais pas, je reviens immédiatement, attends-moi ici. Voilà. Je me demande ce que ça fait, je vais l'essayer. Ça a fait quelque chose. Oui, il me semble que... en fait, tant que vous ne l'avez pas... voilà. Tant que vous n'utilisez pas votre pouvoir des ténèbres sur les murs, vous ne pouvez pas en fait débloquer le fait de pouvoir les pousser ou... c'est important. Ouais, je vais l'utiliser sur Rigol, le bandeau. On va voir nos premiers ennemis du temple de l'obscurité. Ah oui, c'est vrai que je... je suis en sorte de passer au Lloyd. Hunting beast! Punishment. Sonic thrust! Ray! No! No way! Moi, t'inquiète, tous les deux, voilà. Ready? Hunting beast! Beast! Like that? Oh, le... ready for this? Voilà. Lloyd, you need to remember that enemy's weakness. Premier combat. Alors, normalement, il me semble que oui, voilà. On éteint directement les... dire les cristaux de lumière. Et voilà. Quoi faire? La petite sauvegarde au sein du temple. Je devrais pouvoir remonter par là. Là, je ne peux rien faire. Ouais, c'est juste pour faire bien. Alors, on a vu qu'il y avait un coffre ici. La Gemex. Je crois qu'à terme, il faut que je les éteigne de toute façon, les lampes. Je peux pas l'atteindre pour l'instant. Là, je peux pas monter. Donc, il faut que j'aille ici. Ah oui, je me souviens. En gros, les rochers, ces rochers-là. Une fois changé, oh non, celui que nous avons poussé est ressorti. Ça va être stratégique. On sait que du coup, on en a fait ressortir un, et c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc je peux ramener...
C'est loin de... Enfin, c'est pas le... C'est pas le donjon le plus compliqué du jeu dans sa... Dans ce son... Yes. Donc le torrent de soins pour Zelos, c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup il chope un sort de soins, alors il a les vents de soins aussi. Le torrent de soins lui permet du coup d'avoir un sort de zone plutôt efficace. Alors, je crois que c'est un peu infâme pour qu'il... Yes. Donc, lui il reste là, c'est très bien. Il fallait que j'aille là. Attends-moi ici. Très bien, fais attention. Et ben, on va se retaper. Oh, les stocks de Sonic avec la bête de Préséa. J'ai besoin de refaire quelques PM. Un peu relou hop, on récupère nos petites bêtes. Ce qui est chiant, c'est qu'ils suivent pas tout le temps super bien. Oh, ils sont infâmes. Voilà. Allez, venez par là. Impression d'avoir des enfants en colonie de vacances. Ah tiens, la gemme. Très bien, on a la gemme mémorielle. Je crois que j'ai toujours mes deux tempêtes bestiales et stockade tempête. Allez, faut que le troisième y vienne. C'est un peu relou comment ça se passe avec eux.
1 déjà. Descendre le deuxième. Voilà. 2 sur 5. Il nous restera 2 après, ça va être... Voilà. Le troisième. Allez, allez. Tu viens avec nous. Allez, mon petit. Voilà. Le trajet ici. Allez. Ah, femme. Je sais pas qu'ils allaient me faire galérer autant juste pour des soucis de pathfinding. Allez, encore. Voilà, le quatrième est là. Il en reste donc un. J'aurais fini de les rassembler. You guys stalking me or something? No way. Qu'est-ce qu'il reste à prendre, Zelos? L'éruption, les stockades, la lame, ouais, il reste encore un peu de magie avant. Je veux bien qu'il varie un petit peu ce sort, quoi. Ok, ok. Alors, normalement, si je vais là... Forcément, faut que je pousse à fond. J'aurais dû m'en douter. Mais ça va le faire. Donc on monte tout en haut. On traverse. Reinforcements, huh? Ready for this? Devastation! Acuteness! Beast! Devastation! Ready for this? Oui, je sais ce que j'ai oublié. Allez, maintenant ça devrait être réglé tranquillement.
Stop. Ready for this? Top. Healing scream. Impossible. No way. Top. Tate. Ready for this? Top. Et voilà. Je sais ce que j'ai oublié de regarder tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Voilà, la danse sombre pour Genos. Voilà. Un beau et solide ruban. Il semble que c'est... Oui, le ruban de Présea. Qui lui va très bien. Histoire de mettre Genos dans le mal et de le faire fondre en le rendant tout rouge. Hop. Alors, on descend, on va remonter. Voilà, rien de bien compliqué. Par là, on récupère. Je ne suis pas un enfant. Est-ce que c'est là où prise... Ah oui. Ah là 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 là. Ces histoires de... On n'est pas des enfants... Genos reste très séduit par... très séduit par Présea. Faudrait que je revérifie l'âge exact de Présea. Elle a un truc comme pas loin de 20-25 ans normalement, mais elle est bloquée dans son corps d'enfant. Allez, allez. Avoir un pathfinding trop approximatif. Allez, viens. On est presque. On va le remettre après. Voilà. Il a pris éruption. Mais pas trop mal si... Pas trop mal si déjà Zelos il commence à avoir quasiment tous ses sorts, on va pouvoir leur passer un personnage de cac. Présée, elle a pas l'air de vouloir apprendre. Ouais, s'il va y arriver en fait. Allez, allez. Allez. Oh, infernal le pathfinding. Voilà, allez. Maintenant il n'y a plus qu'à descendre. Nous avons finalement tous réunis. Maintenant, il faut les conduire tous en bas. Quelle plaie. Ouais, je ne te cache pas que c'est une plaie. Théoriquement... Je crois qu'on peut tous les emmener comme ça, et au moment où on change de salle, ils viennent. J'espère, parce que...
En gros, c'est ça la seule difficulté du donjon, c'est de gérer le pathfinding des petites créatures liées à Shadow. Ah. Je suis pas sûr que l'œil de... soit un archéologue accompli. Il a pas l'air d'être très réceptif en tout cas. Pas du tout. J'ai gagné le droit de recommencer, je crois. Faire. Pas trop m'époumoner là-dessus pour l'instant. Voilà. D'abord faire les coffres ici. Ça, on n'aura pas. Je crois que ça c'est le chemin qui mène en bas. This is gonna be a piece of cake. No way. Ready for this? Booyah! Thunderblade. Ah, parfait ça. Ready for this? Hunting beast. Fireball. Est-ce que tu pourrais m'apprendre ta lame de vent? Infliction. Ready for this? Windblade. S'il arrive à prendre estrocade aérienne, bah, ce sera bon côté sort. Parce que le torrent de soin fait largement le taf à la place du vent de soin et y'a pas besoin d'être appris genre en full magie. Ça, oui, je pense que je suis descendu tout en bas là. Je sais que si je tournais. Ah, quel enfer. Rain a perdu pas mal de PM. Ouais, non. Donc là, si je descends par là, je sais qu'effectivement... on sauvegardera tout à l'heure. Donc il faut que je revienne un peu plus haut. Ah, je suis un boulet. This is gonna be a piece of cake. No way. Ready for this? Allez, non, il va falloir apprendre les stocks derrière, mon lapin. Ça, on aura à les réaffronter en descendant avec les fragments de Shadow. Donc ça va pas bouger. Hop là. Je pensais qu'il y avait plus de coffres que ça qui traînaient. Mais. Hunting beast.
die. Montrer des gemmes. Donc surtout des gemmes, une arme pour Genos, donc pas non plus. Pas par là. Il me semblait bien. Donc il va falloir faire redescendre. Salut Flonflon, bienvenue sur le live. Alors, est-ce que je vais réussir à les avoir là ce coup-ci? Allez, vous venez tous avec moi mes petits. Oh, ils vont tous se disperser, c'est affreux. Il est où le dernier? Allez, faut venir, monsieur, maintenant. Sans déconner. Ça va, et toi? En pleine forme, comme en journée de repos où je reprends un petit peu le stream. Alors, normalement ils vont me suivre tous, mais alors ça va être le même enfer que d'habitude. Fatigué. Ah, quand ça se fait que fatigué, la nuit était courte. Hop. Allez, maintenant il faut suivre les amis. Il y en a toujours un qui est relou. Levé à 6h du matin, j'étais dès quelques réveils. Ah bah. Faut se coucher plus tôt, hein, madame. Oh. C'est parce que Nono avait cours très tôt que tu t'es levé si tôt ou c'est. Ah là là. Oui, forcément, je le savais, ouais, ça les réinitialise. Cours à 8h, bus. Ouais, bah. Pas facile. C'est par ici. Putain, ils ont l'air de suivre bien. Est-ce que ce combat qui a réinitialisé les petits. J'ai pas du tout envie de les réinitialiser du coup. Oh non. Très bien. Oh, la Manticore, elle s'en sort tellement bien. On a choisi de faire une course au moment où il y a la. Non, elle, j'espère quand même que. Qu'il reviendra tôt pour que vous puissiez vous reposer ce soir. This is gonna be a piece of cake. No way. Ready for this? Tout est bien corps à corps désormais. Surtout que ouais, Zelos il va avoir à apprendre toutes ses strates de cac. Parfait. Coup Présea, elle a pris son affliction, ouais. C'est 50 utilisés. Revient 13h40, manche, puis recours à 4h. Eido. Il est en présentiel ce matin et en distanciel cet après-midi. Ah, c'est pas horrible hein, comme strat. Au moins comme ça il sera là quoi.
J'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi. J'espère que je pourrai. J'aurai le temps de faire un petit Gartic Fun, mais. Ouais, pareil, les deux prochains. Bah, celui de. Normalement, là, on est bien au fond. Mon arme, elle est où? Bah, écoute, si t'es là cet après-midi, j'ai moyen de venir faire de la rame. Hein. C'est les derniers. Yes, voilà, Pyro en fer. S'il peut apprendre sa lame foudroyante assez vite. Zelos a des combats a des combos très sympas justement. Yes, et bah cet après-midi, ouais, pourquoi pas. Il me semble qu'on est là. Oui, on y est. On dirait bien que c'est le niveau le plus bas. Et notre ami Monsieur Shadow ne se montre pas pour jouer. Quoi? Ah, non, faut revenir sur... Non, faut pas revenir sur les pas. Je les ai tous emmenés, tous ensemble, c'est pas pour... Since Shadow's the summon spirit of darkness, the opposite of that would be the summon spirit of light, right? Yeah, but why do you ask? Well, Luna was saying she wanted us to bring Asuka, so... Yes. Considering the time we'll need to spend to find Asuka, we should save the summoned spirit of light for last. I wonder why Asuka left the Guardian Tower of Mana. He probably just ran away to find some chicks. You're confusing him with yourself, Zelos. Anyway, here we go. C'est de loin mon esprit préféré, Shadow. Même si Gnome est très drôle. Mythos and I pact. Ah, les graphismes sont vraiment très cool. C'est moins le cas sur les suivants. Mythos. Enfin, c'est un autre type de graphisme, moins dans ce style-là. We're doing the same thing that the legendary hero once did. I am Sheena. I ask that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me. Eh ben, bon ménage à toi, à tout à l'heure, Flonflon. On se retrouvera pour de la rame. Merci beaucoup. Merci à toi d'être passé. Fight. He's coming. Sacré Shadow. Show your strength. Je sais plus à quel point il est vénère, Shadow. Damn, I must be a lightning blade. Right, right. Here we go. Acuteness. Hunting beast. Fireball. Ah oui. Faut que je vois ça. Bon, vu que j'ai pas trop de sorts de ténèbres, je suis assez tranquille à ce niveau-là. Il a la lame ténébreuse. Est-ce que j'ai... Je recherche, il est là. Place du saut mirage, je prenais le saut vital. Voilà. Oh, masse dégâts. Shadow a pas de dégâts de recul. Il a une sacrée défense physique aussi. C'est un adversaire relativement complet avec son déplacement instantané. Il a une série d'attaques physiques plutôt dangereuses et ses sorts font vraiment énormément de dégâts. Ils se ressentent facilement sur les lanceurs de sorts. Voilà. Ready?
c'est un adversaire qui est loin d'être évident à affronter. This takes concentration. On lui fait pas beaucoup de dégâts physiques. Je suis un peu décevant. Je l'ai d'orange pour Zelos. Oh, il prend un deuxième. Voilà. On a quand même pris un petit peu la sauce, mais. You don't waste any words, do you? For the sake of creating a place in which the two worlds must no longer sacrifice one another, I ask that you lend me your power. Agreed. C'est gagné. Now all we need to do is form the pact with the summoned spirit of light and we can sever another mana link. All right, we're counting on you for the next one too, Sheena. You got it. Et on apprend du coup toutes les attaques, toutes les techniques liées aux ténèbres pour Sheena. Et bien on va remonter tranquillement, on va se reposer et étant niveau 50... je crois que ça va être le moment de... De toute façon c'est le dernier moment où on va pouvoir le faire. Surtout pour ça. Sans quoi je ne pourrai plus après finir cette quête secondaire. Mais on va retourner à la forêt de Garorochina. Et on va voir ça, hop. Voilà. Et le but maintenant, ça va être d'aller à la forêt de... C'est le dernier moment en fait dans le jeu, on a vu les quêtes des pourfendeurs. Et les trois pourfendeurs qu'on affronte, donc là on avait battu le premier. Le premier disparaissait au moment où vous deviez vous rendre à la tour du salut, si vous ne le battiez pas avant. Le second là est donc apparu. Il disparaîtra au moment où, si je conclue le troisième pacte en fait. Le pacte de la lumière, le dernier pacte, le troisième pas du tout, le dernier pacte des esprits originels. Donc il faut que je le batte avant de battre Luna et Asuka. Et de conclure le pacte avec eux. Et enfin, le troisième pourfendeur, il me semble qu'il va apparaître... Enfin, il apparaîtra après, forcément. Mais il disparaît, lui, plus vers... un peu aux alentours du boss final. Et... Ah, ça y est, Zelos... Zelos va se faire manger... Voilà, Zelos, ça t'apprendra à mettre la main aux fesses des gens. Tiens, mon... Ah oui, il faut que je fasse le tour.
This is gonna be a piece of cake. No way! Oh, j'ai mis mon attaque dedans. Just as I expected. Hop là. Alors, il y a l'histoire des mondes séparés, mais ouais. Donc non, là c'est le dernier moment où on peut battre le deuxième profondeur. Donc ça va être un peu le challenge là avant d'aller sur le dernier temple. Une petite heure. Encore une petite heure. Mais essayer de faire en sorte d'avoir hop là forcément l'ennemi qui nous attend comme tout à l'heure. No way. Are you okay? De toute façon, il faudrait que je fasse un repos aussi avant la frappe. Parce qu'on n'a plus de PM, on n'a pas vraiment. On n'est pas à fond en PV. Hop. Alors, dites, il faudrait décider quoi faire avant de conclure le pacte avec le dernier esprit. Très juste, même si ce n'est pas vraiment le genre de problème que nous avons des chances de régler rapidement. Si les mondes se séparent bel et bien, nous ne savons pas du tout s'il sera possible de passer de l'un à l'autre. C'est impossible d'extrapoler la probabilité exacte à cause du manque de données peu élevé, c'est tout ce que je peux dire. Si nous faisions une visite rapide de Teshaela, le dernier esprit se trouve à Sylvaran. Il est possible que Shina ne puisse pas revenir après avoir conclu le pacte. C'est vrai, j'aimerais dire... Parlez à tout le monde et bisous. Dans ce cas, voilà le plan. On va faire un tour à Teshaela, puis on se met en route. Profitez-en pour vous décider. Qui vient avec nous à Sylvaran et qui veut rester à Teshaela, c'est ce que tu veux dire? Ah, Régal a été honteux. Oui, par rapport au plan de la... plan de la prison, enfin de la liaison entre la reine et la prison. C'est très mafieux de dire ça comme ça, qu'il a des liens avec la haute, mais en même temps avec la prison et... Remarque. On va aller se reposer à Mel Tokyo. Tranquillement, hop. Ta-ta-ta-ta. Je vais faire un tour. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu en dis, hein? Comment trouves-tu tes celles? C'est incroyable, tout est tellement... comment dire... évolué? Oui, même le fossé entre les riches et les pauvres. Oui. Je suis pas le seul dont toute la vie a été planifiée dès la naissance. Ici, pour tout le monde, les perspectives d'avenir dépendent du statut social. C'est étouffant, crois-moi. Tu détestes cet endroit? T'es celle-là? Non, je ne pense pas. J'aime beaucoup avec tous ses défauts. Hé, hey, c'est Zelos! Qu'est-ce que tu veux, microbe? Si on t'attrape, on aura une récompense. Tu penses pouvoir m'arrêter? Ça, non, je vais pas t'attraper du tout. Je te laisse partir, alors donne-moi quelque chose. Les petits parasites ne deviennent jamais quelqu'un, gars. Si tant est qu'ils arrivent à l'âge adulte. Oui. On te fait pas attraper, Zelos. Au revoir. Un de tes fans? Bonne question. Enfin, passons à la ville suivante, mais le Tokyo. Je suis prêt. On est là dans la zone... on est bien à Mel Tokyo, hein, mais on est dans le bidonville un peu de Mel Tokyo, quoi.
Je me suis noté d'un mauvais sens d'orientation. Je me suis perdu, je me suis retrouvé ici. On va aller faire notre nuit. Juste pour récupérer full PV. Oui. On a bien besoin. Et avant d'aller à Mizuho. J'espère que je peux le taper. Je suis pas sûr certain d'être efficace pour le taper en plus. Je vérifie quelque chose avec la boutique d'objets. En plus d'avoir toujours le plein de magique, bien sûr. Hein. Je pourrais augmenter mon attaque ou ma défense, mais c'est pas vraiment ce que je recherchais. Je crois que dans mes armes, j'ai les rapières sacrées qui permettent de donner des attaques sacrées. J'ai pas mis mieux que les shuriken depuis. Et j'ai rien qui me donne. Oh, tiens, d'ailleurs, ça. D'émeraude. C'est vrai que j'ai pas trop cherché à augmenter mon stuff, on va dire optionnel. C'est vraiment, je suis pas dans une run où j'ai cherché à optimiser comme un fou furieux mon truc. Je sais plus s'il n'y a pas à aller à Sayback ou à Ozette.